Eh bien, salut à tous les Kaisers et les Kaiserines, et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo du Kaiser Suprême Hieronymus Abaddon pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où en fait je vais tester ma première map, Silo Survival. Bon, j'avais fait un trailer mais il a disparu, mais sinon vous avez quelques captures d'écran et le lien en description pour la télécharger. Maintenant on va tester, voir si c'est une bonne map, qui est en 1.11 je le rappelle. Silo Survival par Orobit, c'est mon premier pseudo. Alors comment j'ai eu ce pseudo? C'est complètement bidon. J'ai tapé l'homme de feu sur Google Translate et en russe et ça m'a marqué. Attendez, j'ai bien les. Ok, difficulté facile. Et ça m'a mis Orobin, mais sauf que c'était traduit n'importe comment. Le bouclier, je vais pas m'en servir tout de suite. Règles, message. Alors, oula. Ah oui, c'est pas les mêmes commandes. Je vais changer les contrôles. Alors, avancer. Avancer, on va dire Z. Reculer. Ouais, S. Terminé. Attends. Reculer. Non. Non, reculer. S. Terminé. Ok, nouveau point d'apparition. Donc, je vais vous expliquer. C'est un mélange de map survie, de map aventure et de map CTM. Enfin, sachant que beaucoup de maps CTM sont quand même pas mal axées sur le côté aventure. Donc, alors, message, les règles. Alors, le message. Bonjour à toi, je suis le professeur Vladimir. Non. Bonjour à toi, je suis le professeur. Bonjour à toi, Non, je vais pas faire d'accent raciste. Bonjour à toi, je suis le professeur Vladimir Ilitch Soldatov. Et c'est moi qui, dans ton sommeil, t'a enfermé dans ce silo. Le silo à chair. Comme tu peux le constater. Mon jeune ami, il y a des portes parsemées ça et là dans ce cylindre en roche litière. Alors en gros, la roche litière, j'ai voulu traduire bedrock. Et silo à chair, en gros, on est dans un silo et je me suis inspiré du truc du livre silo. Il y a une série ou un film qui va sortir à propos de ça. Et Vladimir Ilitch Soldatov, c'est un mélange de Vladimir Ilitch Ulianov, qui est le vrai nom de Lénine en fait. Et Soldatov, c'était le nom d'un. C'était le nom d'un scientifique qui aurait découvert le Soldatov Catfish, qui serait un poisson-chat absolument énorme en Russie, dans le fleuve, je crois que c'est dans le fleuve Amour. Chacune d'entre elles te mèneront à une salle dans laquelle tu flirteras avec la mort, qui dans cet enfer sera ta seule mie. Tu devras principalement trouver 16 laines de couleurs différentes pour remplir un monument, de démontrer tes facultés une fois que tu auras rempli le monument, et seulement après, tu auras l'autorisation de sortir par un passage secret où nous nous rencontrerons. Signé le professeur Vladimir Ilitch Soldatov. Ok, un peu de lore. Maintenant, les règles. Bonjour et surtout bienvenue dans la map créée par Orobin, Silo Survival. Je vous souhaite le meilleur jeu dans ces conditions précises. Objectif, survivre, remplir le monument de la victoire, faire du RP. Règle, ne pas fabriquer de laine pour le monument de la victoire. Tout bloc est destructible. C'est-à-dire, j'ai le droit de péter le bloc. Lire tous les livres. Dans la salle du monument de la victoire se situe un passage secret. Ne l'empruntez qu'une fois le monument complété. Une fois ce passage secret emprunté, il est interdit de revenir en arrière et de casser des blocs. Et règle, dernière règle, éclatez-vous comme des huîtres. Référence à Star Wars Décon, évidemment, le plan Luke. Donc, alors, salle 1, on va commencer par la salle 1. Donc, je vais mettre ça là. Oh, alors, j'ai juste une épée. Oh, mais j'ai balancé mon épée par terre. Attendez. C'était quelle touche? Ok, ça touche Q. Donc, échappe, option. Contrôle. Jeter un objet. Non, je peux pas faire non. Non. Ok, on va dire W. Et donc, pour aller à gauche. Aller à gauche, on va dire Q. Ok. Alors. Qu'y a-t-il donc derrière?
Un magnifique. J'adore ce tableau-là avec le creeper. Alors là, je me suis inspiré du court-métrage très connu Minecraft Horror Movie. Vous reconnaîtrez peut-être la scène pour certains avec les trucs de lave et le pont comme ça. Une pioche en bois. Ok. Danger, la mort est vivante. Non, je déconne. À gauche ou à droite? Là, c'était pareil. Ok, alors, on va tuer l'Enderman. Il est parti où? Ok. Ok, d'accord. Donc, je vois qu'il y a un coffre, mais il est piégé. Je sais pas si ça sert à quelque chose à la glowstone, mais c'est joli comme. Oula. Heureusement, il y a des échelles. Ah, je suis con! Ok, donc je n'ai pas de pioche nécessaire. J'ai pas la pioche nécessaire pour casser le truc. Par contre, j'ai des arbres. J'ai du pain, une flèche. Ça va peut-être me servir. Ça va sûrement me servir. Et donc là, je vais devoir. Ok, alors je vais utiliser. Bah, je peux utiliser la terre aride. Alors, je vais avoir du charbon. Ok, alors, ça me fait de la cobblestone. Donc, et oh, il y en a là. Ok, mais donc, je n'ai pas encore le truc pour casser ça. Oh! Alors, par contre. Ah, une pioche en pierre, ça c'est bien ça. Ok, première salle, finie. On va la laisser ouverte comme ça pour qu'on voit bien que ce soit fini. Donc, la salle 2, attendez. Hop, je vais pas utiliser ça. J'ai un bloc de laine. Ok, ça va pouvoir compléter le monument de la victoire. Salle 2. Attends. Hop, on va tout mettre en sécurité. Alors, on va garder les pioches. Bon, ce lampe, voilà. Hop, on a. Attendez, je suis bête. Oula, j'ai failli tomber. Condamné. C'est pour avoir le truc de la victoire. Hop. Alors. Ok. Vous allez voir, j'avais fait un petit effort. Salle du trésor. Ouais! Oh, mais quel con! Et là, on a le monument de la victoire. Vous allez voir, alors je pète la vitre. De manière stylée, quasiment en réaliste. Voilà. Avec les petits drapeaux français magnifiques. Alors, les magenta wool. Ça, c'est quoi que j'ai? C'est la red. Ok, red wool. Ok, red wool. C'est bon, j'en ai une. Et il faudra tout compléter. Et à la fin, il faudra mettre un bloc de fer, un bloc d'or et un bloc de diamant. Voilà. Et là, il y a le passage secret, j'imagine. Ah oui, regardez mon skin. Il est beau, mon skin. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, par contre, je suis mort. Bon, attends. Je vais ranger mon épée. Et je vais voir si en me suicidant, je garde mon inventaire. Ouais, je garde mon inventaire. D'accord, donc, ok, je peux prendre mes affaires. Donc, on va aller dans la. On est allé dans la deuxième salle, on va aller dans la troisième salle. Attends, j'y suis bien allé dans la deuxième salle. Non, j'y suis pas allé. Alors, ça, c'est un truc pour tomber dans le vide. Voilà. Alors, un livre. Information. Peut-être as-tu sommeil. Dans ce cas, il te faudra un lit. Cette salle est la seule à pouvoir t'en fournir, outre le cadre du monument de la victoire. Bonne chance. Alors, j'ai pas besoin de ça. Donc, je vais, pour avoir de la laine, je vais éviter de détruire le spawner. Bravo. Ah merde, il y a les araignées empoisonnées. Ah ben, ça va. Hop.
Purée, ça c'est de la castagne. Ah non, il y a salle 3, je suis bête. Oula. Non, mais non, je dois aller dans la salle 2. Pardon, je vous ai spoilé. Attends, doit y avoir un coffre. Mais non, 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 non. Non! Ok. On va pas mal souffrir, je pense. Salle 2. Attends, non. Oui, c'est la salle 2 que je dois aller. Non! Oh. Ok. En fait, cette map elle est cool, mais il faudrait que je fasse une mise à jour parce qu'elle est mal étudiée en fait. Ah oui, il n'y a pas de coffre. Non! Pourquoi je pensais qu'il y avait un coffre caché? Salle 2. Évidemment, j'ai mon bureau qui. Vous voyez pas, mais j'ai mon bureau qui est en train de s'effondrer. Enfin, les trucs qu'il y a dessus. Ah, je vois, je vois, je vois. Mais boum. Ok, j'ai activé un truc. Je sais plus ce que ça va me donner un truc, je crois. Salle 2. Ok, j'ai déjà de quoi faire un bloc de laine. Ok. Je vais les tuer histoire d'avoir assez pour avoir mon lit. Et après, je détruis les spawners. Par contre, je vais prendre une meilleure pioche pour les détruire. Parce que la pioche en bois, c'est pas terrible. Par contre, je peux déjà détruire un spawner. Détruire en priorité le spawner de petite araignée parce que c'est vraiment de la belle saloperie, ça. Oh, ça va mettre du temps. Waouh, ça va être compliqué. Voilà, c'est pour ça au niveau des mobs, j'ai du mal à étudier ma map quand je l'ai conçue. C'est pour ça qu'il faudra que je fasse un remake. Ça peut être une bonne idée, ça. Mais. Ah, c'est dévastateur tout ça. J'ai pas une armure. Non, j'ai pas d'armure. Oh! Attendez, je vais y aller. Je vais essayer une autre stratégie. Enfin, une autre stratégie. Je vais foncer dans le tas comme un bourrin. Ok, là, c'est le petit. Oui! Oui, j'en ai détruit un. Ok, du coup, ils vont spawner plus difficilement. Ok, va plus y avoir. Wow. Très amusant. Donc, on voit le. Ah, il y a un trou. Il y a un trou plus loin. Ok. Ah, le bloc de. Ça, c'est le bloc de laine pour le monument de la victoire. Alors. Hop. Là, j'avais fait une petite armoire, mais bon, ça ne sert à rien. En plus, non, ça va, il est bien conçu. Je vais récupérer les petits crânes, mais plus tard. Des flèches. Seule la laine blanche. Ah, ça m'a donné un petit coup. Ah non, c'est ça. Oh, j'ai une petite araignée. Attends, je vais utiliser ma pioche comme ça pour péter les trucs. Enfin, ma pioche, mon épée. Alors là, ça a dû dropper un truc. Ah, il faudrait que je pense à monter par là. Ok. Madame. Madame. Vous êtes une araignée. C'était très nul comme phrase. Madame, vous êtes une araignée. Louis XIV araignée.
Eh oui, Louis XIV a régné, ça vous le saviez peut-être pas, mais Louis XIV a régné. Le roi a régné. Le roi a régné. Mais non, le roi a régné. Par contre, je vais changer la langue. Langue. Ah, mais il y avait moins de langue avant, ça c'était bien ça. Enfin, c'était bien. Ah, ça c'est du breton. Il y a du breton. C'est excellent ça, il y a du breton. Ah, par contre, ça fait bugger. Non, ça fait bugger. Oh là là. Par contre, c'est génial ça, il y a du breton. Ça bug. Voilà. Hop. Ah non, il me l'a mis en breton. C'est pas vrai. Donc ça c'est... Oh, quelle horreur. J'ai envie de mettre en anglais. Anglais. En pirate. Ah ça c'était marrant. Je vais mettre en pirate, voilà. Alors non, c'était pas une... Ok, magenta. Voilà. Blanc. Ok. Voilà, j'ai posé mes deux blocs. Hop, je vais me juger deux. C'est voilà, c'est plus rapide comme ça. Hop, des flèches. Voilà, ça va pas me servir. 8 informations. L'item framé va pas me servir. Ah, mais non, mais. Oui, mais j'ai pas de. Ok, ben je vais planter l'arbre. Non, non, je pense que c'est plus tard qu'il faut le planter l'arbre. Donc là, j'ai toujours pas de tapcraft. Donc, salle 2. Non, salle 3, je dois aller. Oh le bébé. Ok, alors d'accord, c'est une mini-ville. Quelle horreur. Mais non, mais c'est quoi tous ces creepers? Oh merde, merde, oh. J'espère que ça n'a pas fait de dégâts de terrain. Ah non, ça va, ça a juste pété. Ah si, ça a détruit des trucs. Ah les creepers, ils peuvent péter des trucs. Donc petit mot. Mais qu'est-ce que... Oh! Vilain! Vilain! Heureusement, il y a les fenêtres. Voilà, alors petit mot. Chérie! Steve, je suis désolé. Ta soirée au bar est trop longue. Ne t'enferme pas à clé. Ne t'en fais pas. C'est pas comme si un mur sera construit entre nous pendant la nuit. Tu auras tout le temps de t'en repentir une fois sobre. Betty. Allez, on va voir si... Ah non, il y a un mur qui a été construit entre moi et mon mari. Oh mon Dieu. Ok, d'accord. Ah, c'est génial, tout le lore. Enfin, il y a du lore, oui, bon. Donc, il y a eu un mur qui a été construit. Qui a bien pu construire ce mur? Est-ce que ça a un rapport avec Soldatov? Ok, on va dans cette maison. Voilà, on est en sécurité. Ah, ok, ouais, on peut allumer la lumière. On descend. Oh, il y a un zombie. Et évidemment, l'item from a été cassé. Donc, journal intime. Oh, un journal intime. Attends, on mange d'abord. Journal intime. Oh, il y a un crâne. Ça doit être le journal intime de la personne qui est morte ici. Cher journal, cela fait déjà une semaine que je suis séparée de mes parents par ce mur, que je n'ai même pas pu égratigner. Égratigner, bien sûr. Il fait sombre. Le jour et la nuit ne sont plus que de vulgaires artifices. Et tous les jours, des soldats aux grandes bottes, aux képis, à l'uniforme gris du même rouge, et du même rouge que leur étoile décorée de outils en or, à l'air grave et sans humour, patrouillent dans ce qui reste de mon village. Ah oui, c'est très subtil, on se doute bien que ce sont des uniformes soviétiques. Je ne comprends pas ce qu'ils disent lorsqu'ils sont entre eux, mais j'ai compris qu'ils protégeaient le contingent de laborantins de la même nationalité. Il peut arriver au matin qu'un villageois ait disparu, et j'ai compris ce qu'il advenait d'eux. Lorsqu'une nuit après 5 heures après le couvre-feu quotidien, je vis Steve McCallum. Alors, je sais pas d'où ça vient, la McCallum, je vois pas la référence. Notre voisin d'enfant. Ah si, c'est le voisin. Oui, bon, c'est le voisin. Partir avec deux officiers vers le bâtiment nouveau. Qu'ont construit les sombres étrangers avec le même matériel que
Le mur de l'homme de fer. Morgan is sister. Ok, ça c'était la référence à un dîner de con où il y a. Ah, mais j'appelais sa sœur, mais oui, mais c'est sa sœur. Du coup, je regardais avec les sous-titres anglais pour, parce que j'avais un copain qui était turc et du coup, il y avait la blague. Ah, une nouvelle page. Ok, c'est une nouvelle histoire dans le journal. Mais oui, c'est vrai, dans les journaux, t'as plusieurs pages par. Enfin, plusieurs. Cher journal, ce soir n'est pas comme les autres. Suite à l'arrestation et à la flagellation impromptue du garçon qui a jeté un caillou sur la fenêtre rouge, les étrangers sont tous partis par la porte de l'enfer. À l'exception de la vice-coordinatrice en chef de l'équipe scientifique, le professeur Svetlana Ulianov. Alors Svetlana, c'est la fille de Staline qui s'appelait Svetlana Staline, et Ulianov, c'était le nom de famille de Lénine, donc Vladimir Ilitch Ulianov. La peste s'empare d'elle. Elle n'a même pas. Elle n'a que de masque à. Elle n'a que de masque à gaz. Elle s'est munie de l'un d'entre eux et jeta l'autre dans la foule. Ah oui, bah c'est pour qu'ils se disputent le masque à gaz et qu'il y en a un seul qui puisse l'avoir, comme dans Wonder Woman. Ok, alors je vais péter la chaise pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs derrière? Non, je pense que c'est rien. Par contre, ça me fait des blocs pour construire, par contre. Attends, je reviendrai avec une pioche en bois. Ah, mais voilà, mais j'ai du. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a un truc à allumer. Ça. Ah, mais ça doit être la lumière du haut. Ok, il n'y a pas de dégâts de terrain. Ok, mais donc le. Ok, alors. Évidemment, ça ne marche pas. Formidable. Ah si, ça marche, mais ça éclaire que dalle. La statue qui est vraiment pas mal. Ah, ben je suis mort. Ah, mais je peux planter mes arbres ici. Ok. Ouais, mais par contre, je fais comment pour éclairer? Ah, c'est un enfer. Ok, alors là, il y a une maison. Alors, je peux aller dans cette maison, au fond. Ah, mais ils me font du dégât, quand même. Et pourquoi les cochons zombies sont agressifs? Ah non, c'est ça, 3, je suis bête. Misère! Ah, il y a des creepers. Allez, ça va être fastoche. Faut juste tourner. Attends, je vais prendre l'épée en pierre pour économiser, parce que c'est peut-être un boss ou un truc comme ça à la fin. Ah. Oh non, je suis tombé dans le trou avec le crâne. Ok, je pense qu'il n'y a pas de mob spawner. Comme dans Alice Madness Retourne avec le garde immortel, je tourne autour du truc. Ok. Par contre, là, la lumière, ça fait que dalle, c'est un peu naze. J'aurais dû prendre l'épée en pierre. Ok, alors, est-ce qu'il y a des trucs en dessous? Non. Ok. Donc, je vais pouvoir me. Ici, Sister McCallum. Ok, d'accord, c'est les noms des gens. Attends. Je vais récupérer du plancher pour pouvoir faire tout ce qui est table, craft et tout. Ok. Oh mince, j'ai lâché la souris. Ah, encore du bois. Ah, ça c'est mieux, ça c'est de la bûche.
Ah, oula, il bug. Ah, il y a un bug. C'était très bizarre comme bug. Et je vois que j'ai une pastèque, donc je peux faire de la culture. Donc, j'ai. Du coup, je vais me. Attends, est-ce que je fais un four? Ah, mais il y a aussi ça. Ah oui, mais le four, il me faut de la cobblestone et j'en ai peut-être pas assez. Donc là, ben remarque, j'ai peut-être pas besoin de couper du bois. Alors, est-ce qu'il y a des coffres? Il y a un shulker box. Ah, c'est bien un shulker box, ok. Ah, des flèches. Je vais pouvoir jouer le disque avec le tourne-disque. Je voulais juste créer du mystère. Alors. Oh, du sang! Un homme a été tué dans son lit. Ah, mais non, ça c'est la bibliothèque. Attends, je vais aller sur le toit pour voir. Ah, c'était censé faire une musique. Bah, ça a pas marché. Et je vois, il y a une antenne, le petit sens du détail. Ouais, par contre, ça c'est un peu capoté ma map. Ok, alors est-ce qu'il y a un coffre? Peut-être dans le sous-sol. Mais bouge-toi, toi. Ouais, bon, il n'y a rien. D'accord, donc on a eu du lore. Ah, attendez! Je suis bête. Là, il y a un truc. Oui, et donc la vitre est pétée à cause du garçon qui a balancé une pierre. À son âme. Ok. Ah ouais, ça c'est les panneaux solaires. Ok, alors. Ah non, je vais faire mieux. Et oui, on. Hop. Oh mince, à un bloc près, c'était bon. Ok, alors, donc je vais passer par la fenêtre. Oula, j'ai vite appuyé sur le bouton, donc là il n'y a pas de piège. Ok, j'ai ouvert la porte. Donc, ça visiblement. Attends, c'est quoi ce truc? Non, c'est juste un bouton qui est tombé. Hop. Oh, ça me donne des pommes. Je vais pouvoir manger. Ok, donc je vais en avoir à l'infini là, des pommes. Donc pas besoin de faire des cultures. Et là. Ok, bon, ça c'est pour mourir. D'accord, ok, bon. On a bien avancé. Enfin, plus ou moins. Donc, j'ai pas fini cette. Ah ben, je suis bête. C'est la zone 3 où je dois aller. Bah, ils sont pas trop agressifs, eux. Hop. Là, on peut passer par là. Ok, là, ça. J'imagine que ça, c'est censé être un drapeau de l'URSS, ce magnifique truc. Un ordinateur. Alors là, c'est pour faire des trucs de verrue du Nether, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors, oh mon Dieu, il y a des gens qui ont fait des. Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont fait des expériences dessus, c'est horrible. Bon, je vais récupérer leur armure. Voilà, on avait déjà les armures. Attends, je vais pas le mettre tout de suite. C'est peut-être pas obligatoire de le mettre tout de suite. Hop. Pantalon, on sait jamais. Voilà. Oh!
Ouais, pas terrible. C'est que des poisons que j'ai. Ah, attends, si, j'ai un poison que je peux lancer. Oui. Évidemment, toujours. Alors, je dois avoir un. Voilà, ça, c'est très mal conçu. Oula! Attends, je vais balancer ça. Sur... Non. Ah, je me le suis balancé sur moi-même. Bon, on mange des pommes. Ah, mais c'est un enfer. Ok, il faut que je pète ça. Je m'en vais. Ok, bon, va falloir que je le bute. Ok, il est mort. Donc, un coffre. Et j'ai un bloc de laine, sachant que j'avais déjà un bloc de laine, ce qui est bizarre. La spawner à ghast, c'est jamais une très bonne chose. Quand le coffre n'est pas piégé. Des crânes, voilà, des crânes de bébés, j'imagine, les petits. Alors, ça, c'est un mécanisme qui ne marche pas. Voilà, bon, c'était bien la peine de le faire. Alors, hop, voilà, j'enlève la plaque de pression. C'est quoi ça? Sorcière. Ok, on vire. Ça, c'est quoi? Je vois pas. Sorcière, on vire. Attends, je vais faire intelligemment. Ça va être une marche. Oh, ben non. Bon, au pire, on le fait pas. Ah non, je vais plutôt utiliser des blocs. Bah, je vais utiliser ça, j'ai que ça. Oui, j'ai un bloc de laine. Ok, on a deux. On a un bloc de laine du coup. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je crois On va se suicider. Voilà, c'était juste histoire de. Mais non! Il est où mon. Pourquoi je suis pas au point de spawn? Oh, un village! Enfin, on va pas y aller, attendez. Bon, ben là, vous voyez tout le mécanisme. Ah, mais là, voilà la sorcière! Non, par contre, c'est pas normal que je sois là parce que là, je vous spoil. Bon, je vais couper. Ben re les Kaiser et les Kaiserines. Alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on va retourner. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça n'a aucun sens. Attends, toi tu t'en vas, toi tu vires. Ok, alors, salle 3. Non, j'en viens. Donc on va aller à la salle 4. Oh, de l'eau. Alors c'est quoi ça? C'est un spawner à squid, donc on s'en fiche. En tout cas, c'est pas méchant. Ah, de la laine, de la yellow. Ok, est-ce que il y a des trucs. Ah, je suis en créatif, je suis con! Ah, je m'étais mis en créatif pour retourner dans le point de. Oh, je suis bête. Oh, quel con! Ça va, c'était le monument de la vie. C'était pas normal. Enfin, c'était pas grave. Donc, 3. Alors. 4, ok, alors. Déjà, je vais aller au monument de la victoire pour déposer mes trucs. Ok, bon, donc. L'eau, j'espère qu'elle a pas dégueulassé. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Light blue wool. Yellow, yellow, yellow. White. Oui, c'est ça parce qu'il en fait, il y a un problème avec mes boules. Il y en a une qui manque quelque part et il y avait deux blanches au lieu de. Voilà. Ok. Ok, j'essaie de ranger un maximum les trucs. Ok, donc. Salle 4, ok, ça c'est bon. Salle 4, donc. J'utilise la terre.
Attends, je suis bête. Salle 5. Et non, il y a un creeper, sort d'ici! Alors, on va devoir fouiller partout du coup. Hop, hop. Ah, des flèches, je m'en fous. Underpearl. Wow, attends, je vais essayer en haut d'abord. Ah, voilà, bon, j'ai ma laine. Voilà, bon, on s'en va. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas. Ok, on s'en va. On fouille juste dans les coffres pour voir. Oh, du diamant! Ah, il y avait un piège. Il s'appelle monstre. Monstre du coffre. Oh, c'est original ça, monstre du coffre. Attends, il s'appelle Very Old Rainbow Dash. Ah oui, Rainbow Dash très vieux. Okay. Pauvre Rainbow Dash. Ah, de la laine. De la laine de chacal. Ok. Donc ça c'est lime. Lime. Purple. J'ai mal aux yeux, je suis désolé. Ok. Donc ça, voilà, du diamant. Bon, on va enlever ces pancartes à la nuque. Ok. C'est bon, je suis spawné au bon endroit. Donc, on va aller dans la salle 6. Ah, je suis bête. Est-ce que ça, c'est la salle 6? Oui. Salle 6, qu'est-ce que c'est? Oula. Ah, ok, ça fait spawner ça. Ah, une épée en pierre, ça c'est super utile. Une épée, c'est même pas une épée en pierre, c'est une épée en. Ok, alors, ça je vais devoir le péter. Alors, est-ce que ça m'a droppé de la laine? Ça m'a droppé plein de trucs. Alors, Black Pow 2. J'ai journal intime. Cher journal, cela fait déjà une semaine que je suis séparé. Ah, mais non, mais. Voilà. C'est ça que j'ai eu surtout. Petit mot. Chérie, Steve, je suis désolé, ta soirée au bar est trop. Ah, mais non, mais je l'avais déjà. Et j'ai la laine noire. Ok, c'est bon, j'ai la laine noire. C'est quoi ça? Ok, c'est rien. Ok, alors. Oh! Alors ça, j'avais très mal conçu. Alors, le coffre, il est où? Ok, bon, bah, on va faire simple, on va y aller en... voilà. Vous avez tous compris ce que j'ai fait. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors... Oh, oula. Alors, où sont cachées les affaires? Vous profitez également de l'ancienne texture de la Netherrack. Alors. Oula, je suis bête. Ah ben, y a rien. Coucou. Donc. Aha!
Ah, une épée en diamant. Waouh. Pour moi, c'était cool. À l'époque, c'était cool d'avoir des épées en diamant. Mais ça, c'était avant. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans les fours? Ah, de la laine grise. Ah ouais. Le mur. Ah, ça, c'est stylé, ça. Je balance tout ce qui est inutile. Attends, c'est quoi ça? On s'en fout. Non, ça je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Ok, donc on va aller encore plus loin du coup. Parce qu'au départ, je voulais faire un truc mélange survie, mais survie, tu vas faire quoi là? Sauf si vraiment il y a des fans hardcore. Mais bon, là, la map, elle est pas aboutie. Hein. Enfin, elle est pas aboutie, il y a des petits problèmes de bugs et tout. Alors, donc faut aller encore plus haut. Alors, par contre, j'arrive pas à lire. Ouais, je sais, je construis avec de la TNT, je suis un yolo. Je suis un thug life, comme disent les jeunes. Ok, donc ça ne servait à rien. Je le laisse ouvert au cas où on s'en rende compte. Salle 9. Et donc là, on a un ennemi. Ok, je vais éviter de péter les cristaux. Ok, ça c'est niveau Under. Ah, oh ben, on pète la porte. Et là, on remet la porte et elle est ouverte. Voilà, ça c'est la technique. Ok. Ah oui, bah là, il y avait une construction de Under Dragon, mais elle a pété parce que j'ai utilisé du charbon. Ah ouais. Ok, sachez. Waouh, c'était tellement compliqué. Ah, ça, par contre, c'est un mob. Il peut se téléporter, le salaud. Tant pis. Ouais, les Undermen, mais qui a peur des Undermen? Pour le fun. Et donc on peut pas aller plus haut. Alors ça techniquement on peut monter, mais on n'a pas le droit de monter. Donc, ok. Donc on va remplir le monument. Quand je suis en colère, c'est un monument hystérique. Oh, il y a un truc là. J'ai pas remarqué. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est pas une... C'était pas une bonne idée. Le gros troll. Ok, alors. Donc, j'ai tout exploré. Donc, on va dire que la map est finie, du coup, si on a un peu d'imagination. Voilà, je vais pas tout faire parce que de toute façon elle est mal faite ma map. Attends, je vais me faire une arme. Ah non, bon, de toute façon, pas besoin d'armure. Donc on va dire que ça s'est rempli. Donc on passe le passage secret, qui n'est pas si secret que ça. Monument de la victoire. Lis les panneaux, tu n'as le droit d'être là qu'après avoir rempli le monument de la victoire. Ouais, ben on s'en fout parce que bon, la map elle est mal conçue. Alors, donc. Ok. Attends, faut dormir, je crois. Non, faut dormir, fallait dormir.
Ok, attends, je vérifie le son. Ok, hop, j'ai le droit à une flèche et c'est tout. Ok, alors. Attends, ah mais non, mais c'est un truc d'enchantement, je suis bête. Et j'ai pas assez. Attends. Et j'ai pas. Attends. Non, je n'ai pas assez de. Voilà, on s'en fout. Alors, on va monter. Ah, mais je suis con, je suis en peaceful. Attends, je vais me remarcher. C'est bon, j'ai fait summoner la créature. Alors là, à partir de là, on n'a plus le droit de péter les blocs. Waouh. Ascenseur du futur. Oh, ah. Aïe, 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 aïe. On peut pas sprinter. Oh non. Non, 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 je veux pas mourir. Ok, alors. Ah, mais je peux récupérer des affaires du coup. Ah, mais non. Ah non. Ah, mais j'avais pas redéfini le point de spawn. Attendez. Ok, on pète la porte. C'est un peu chiant. Ok. Ok, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Maintenant. Ok, alors. On va tenter d'être le plus rapide possible. Ah, mais il fallait peut-être prendre de la bouffe. Ok, on va aller le plus vite possible. Je vois que ça se rapproche, 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 mais on a de moins en moins de bulles. Vite, 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 vite. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Allez, 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 allez. Toujours, je joue pas la comédie. Allez, vite, vite! Non! 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 Ok, bon, bah, je vais prendre de la bouffe. J'ai pas des pommes en or. Ah, mais il y a ça. Ça aussi. Je prends de la bouffe. C'est beau d'avoir un monument de la victoire complet comme ça. Ah, bon ça c'était pour mon alarme pour dire que ça faisait 50 minutes que je jouais. Ok, bon ben on a joué en presque une heure. Attends, non, je vais pas. Je rêve où il y avait un ghast au-dessus. Non, c'est le soleil. Au pire, je pète une vitre. Ah, je peux pas péter les vitres. Allez! Allez! Bon, attends, je vais prendre une pioche. Elles sont où mes pioches? Ah ben je me suis débarrassé de ma pioche, oui. En effet. Je sais ce que je vais faire.
Ah, une torche, il me faut une torche. Y a pas de torche. Où sont les torches? Je sais, c'est de la triche, mais bon, j'ai pas le choix. A pas de torche? Ah, si. Je pourrais m'en fabriquer. Ah mais il m'en faut deux. Je suis désolé, c'est de la triche, mais bon, ma map est tellement mal conçue. Bah attends, je sais ce que je vais faire. Suis désolé, mais bon, je suis obligé de tricher. Je me suis embêté à faire des torches, mais en fait ça sert à rien. Allez! Allez! Allez, Kimini Salam! Non. Oh. Oh, j'en peux plus. J'en ai marre de cette map à force. Et évidemment, il fait jour alors que la nuit c'est beaucoup plus stylé, surtout pour ce que je voulais faire. Donc, on arrive sur une sorte de genre de soucoupe volante, un truc bizarre comme ça. Allez, 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 allez! Faut que je garde de la vie pour le boss! Oui! Donc, on est dans un genre de délipo. Ok. Ça, j'imagine que c'est un ennemi. Ok, ça, c'est mon spawn point. Ok, professeur Ulyanov. Bon, tant pis, on va le faire spawner naturellement. Bonjour, je suis le professeur Ulyanov. Ok, toi, tu vires. C'est bon, j'ai tué. Ah, ben, il a quand même réussi à me. Ok, professeur Ulyanov est mort. Donc, alors, je vais te... alors ça, c'est. Plongeoir. Non, je déconne. Professeur Soldatov en hypersomnie. Héliport. C'est bon, il est mort. Ok, on va prendre l'héliport. Hélicoptère, hélicoptère. Attendez. Lounou Lounou. Là, par contre, c'était bien pensé de mettre la plaque d'or sur un truc d'or. Et oui, c'est intelligent ça. Go, 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 on décolle. Ok, ils montent. Ok. Tan, ta, 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 ta.
Attends. Bon, par contre, là, il y avait un... En fait, il y a un problème, là, parce que normalement, je suis censé poser un carte là, mais en fait... Attendez. Problème, c'est ce maudit bloc invisible. Donc, je vais devoir péter ça, évidemment. Évidemment. Donc, on est censé imaginer que là, je suis dans l'hélicoptère. Vous avez... Je suis dans l'hélicoptère, ok. On imagine qu'on est toujours dans l'hélicoptère, mais on ne l'est pas réellement. Donc là, je suis dans l'hélicoptère. Imaginez que je suis dans un hélicoptère. Donc on se déplace. Évidemment, comme c'est un hélicoptère Minecraftien, eh ben on tourne en angle droit. Vous allez voir. On descend, on descend, on descend. Alors d'ailleurs, on a découvert ça. Voilà, ça ressemble à ça, la construction. Ça m'avait mis beaucoup de temps à l'époque. On descend. Évidemment, je crois que ça va se bloquer. Non. Ok. En fait, j'étais censé arriver la nuit, mais bon, ça, comme c'était mal conçu. Fin de la map, merci d'avoir joué. Ok, et là, du coup, on est censé imaginer que ça, c'est l'hélicoptère quand il est tombé. Enfin, il s'est écrasé. C'est pas mal, hein. Là, c'est la tête de nous qui sommes morts. Et maintenant. Oh, mais même ça marche pas. Ah, si. Voilà. Bon, ben, ça explose. Eh bien, attendez. Eh bien, les amis, on va bientôt toucher la fin de la vidéo. Enfin, la vidéo touche à sa fin. Alors, la map, si je dois critiquer, il y a une bonne idée, surtout pour l'époque. Enfin bref, il y a une petite idée. Le côté survie, on laissera tomber parce que c'est pas terrible. Le côté aventure, ouais, bon, il y a deux, trois idées, mais c'est pas non. Pour une petite map comme ça, en vrai, ça va. Sinon, en termes de. Il y a beaucoup de trucs au niveau des systèmes et tout qui marchent pas, là, rien que ça. Également, il y a des problèmes, mais sinon, il y a des bonnes idées. Pas mal d'imagination, c'est la... enfin, bref, c'était sympa quand même. Sinon aussi le petit truc à la fin, même si ça marche pas, de faire péter le village, c'est sympa. Attendez, T slash game. Attendez, T slash give. Docteur Mystère. Attends. Ok, là on fait péter, j'espère que ça va marcher. Bonjour monsieur. Ah, c'est assez amusant quand même. Oh les betteraves! Ah ouais, ça ressemble à ça, les betteraves quand ça venait d'apparaître. Ça, c'était la texture des betteraves qu'il y avait dans la version, oula, la version tablette. Voilà, au revoir, je vous dis abonnez-vous. Il y a le lien en description. Si ça inter s'il y a, disons, comment dire, s'il y a, attends, j'ai 500 abonnés, s'il y a, 50 likes à cette vidéo, je fais un remake de cette map pour que ce soit beaucoup plus jouable. Voilà. Je vous dis au revoir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous voulez d'autres maps. Moi j'adore les maps Minecraft, voilà, je vous dis au revoir.